La Bible nous parle d'une créature du nom du serpent. La Bible nous parle aussi d'une autre créature du nom la femme. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est un roi et toute chose qui sort de Dieu, une créature qui a la représentation de Dieu, sort comme un prince. Ça veut dire que plus tard, il doit devenir aussi roi. Mais quand un roi évolue, il faut qu'il s'affaiblit un jour, ou il faut qu'il meure un jour, pour que son fils qui était prince puisse briguer maintenant au trône. Aussi longtemps que le roi est toujours vivant et en forme, le prince ne peut jamais briguer au trône. Alors là, Dieu est un roi. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand l'homme a été fait à l'image de Dieu, l'homme allait avec Dieu. L'homme est aussi un roi, mais il va trouver son trône comment? Alors Dieu a créé l'univers de l'homme, ce que j'appelle la terre. Dieu a créé son jardin de l'homme. Et Dieu dit, fiston, maintenant là, moi je suis roi, mais je gouverne partout, dans tous les royaumes. Mais toi, la terre là, je te prends comme roi là-dessus. Il faut manipuler ça comme tu veux. Il faut gérer ça comme tu veux. C'est toi le roi. Mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas à ça. Tu peux tout faire, mais touche pas à ça. Le jour tu en mangeras, tu mourras. Il y a eu rébellion dans le ciel. Quand les anges se sont rebellés et ils ont leur maître Satan. La Bible dit que il y a une guerre dans les cieux. Dieu ne s'est même pas levé sur son trône. Mais Dieu a suscité d'autres êtres, d'autres anges, pour frapper maintenant les rebelles. Et en même temps, on les a précipités sur la terre. Et auprès du petit roi qui était sur la terre. L'homme, quand Satan est venu, il est venu avec ses démons. Les démons sont des anges déchus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont décidé maintenant d'agir pour détruire le plan de Dieu sur l'homme. Il faut amener l'homme à la déchéance devant Dieu. Le diable utilise un être le plus rusé sur la terre. C'est le serpent. Ils ont défini les caractéristiques du serpent. Vous devez savoir que c'est l'être le plus rusé sur la terre. Le serpent a été maudit. Il est venu vers la femme. Il dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Tu as mangé tous les fruits. Mais sauf ça là. Non, il faut manger ça. Dieu même sait que si tu manges ça, tu vas devenir Dieu comme nous. On mange ça. Rien ne va se passer seulement. Si tu ne veux pas devenir Dieu maintenant, la femme a mangé. Et a donné ça à Adam. Adam aussi a mangé. Quand les deux ont mangé, ils sont sortis de la volonté de Dieu. Et bien là, Dieu a maudit le serpent. Dieu est venu, il a puni la femme, il a puni l'homme. Il a dit, je vais vous chasser. Il a dit au serpent, d'abord il lui a arraché les membres. Le serpent n'a pas de membres, mais le serpent saute. Le serpent se relève debout comme ça. Ça veut dire qu'il s'est adapté dans son infimité pour faire, pour se défendre. C'est la seule créature, l'espèce animale, qui ne sort jamais avec ses petits. C'est la seule espèce où quand l'effort s'éclore en même temps et que le petit sort, il se vaque dans sa vie personnelle, se dirige lui-même. Le petit serpent d'aujourd'hui est capable de se défendre. Va te mordre. Il a venu en même temps. Le serpent nage. C'est l'espèce qui est combattue par l'homme sur tous les continents, mais qui ne disparaît jamais. La seule espèce animale qui sait stocker de sperme pendant l'hivernage. Pour d'ici, je prends les œufs maintenant. Ça va être détruit. Par conséquent, je stocke du sperme. Autant d'été maintenant, elle se fécond en elle-même. Avec le sperme stocké. Pour maintenant, prends les œufs. Le serpent veut défier la maladie. L'édition de Dieu. Et il dit maintenant, l'homme qui est un prince de Dieu, le petit roi de Dieu sur la terre, je vais le maltraiter. Et là, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi, ta postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il dit, ok, je ne refuse pas. L'homme va produire, moi aussi, je vais produire. Mais la lutte continue. Mais je vais détruire ce plan. La femme ne donne pas une postérité. Je vais entrer dans son sperme. Je vais tout faire pour empêcher que la femme ait une progéniture pouvant me combattre plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, la Bible dit, il y avait les fils des hommes et aussi les fils de Dieu ont décidé de s'accoupler avec les fils des hommes. Les anges, entre-temps, quand ils viennent sur la terre, prenaient la forme humaine. Ils peuvent venir rester avec toi, ils vont manger avec toi, ils vont causer avec toi. C'était le cas de Gédéon. Et bien là, les anges qui se sont rebellés, les anges déchus qu'on appelle les démons, ont cette potentialité de se transformer en homme ou en femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu que les enfants de Dieu qui sont sur la terre sont devenus très belles. Et puis ces anges ont commencé par prendre femme. Ça veut dire que l'enfant qui va naître sera une partie homme et une partie ange. Ça fait il y a 23 chromosomes hommes et 23 chromosomes démons. Et là, les créatures qui sont nées sont des géants. Ils n'ont plus la taille humaine. Ils sont devenus très géants, très forts. Et quand ils voient
Le vrai homme, il les voit comme des poussins. Et ils sont méchants, sévères. Un ange déçu qui devient démon à une mission détruire. Par conséquent, tout j'aime porter dit de ce temps, ce démon doit détruire. Alors là, les géants là qui sont nés sont portés vers le mal. Ils entrent dans une maison, ils peuvent tuer l'homme, ils vont violer la femme, ils vont ramasser tout ce que vous avez. S'ils trouvent même homme, ils peuvent coucher avec l'homme. Dieu dit, je vais détruire la terre. Mais que quoi? Le déluge. Mais il faut trouver un homme intègre de la postérité pure. Noé, sa famille n'était pas mélangée avec les géants. Ils étaient des hommes purs. Effectivement, le déluge est venu et le déluge a détruit toute la terre. Et il restait seulement la progéniture de Noé. Il a fait un sacrifice à Dieu. Dieu dit, je ne vais plus détruire la terre. Toujours pour maintenir sa prophétie que sa postérité coupera la tête du serpent. Donc ça va toujours continuer par là. Mais la ruse du diable est terrible. Comme il sait que les géants là sont morts, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant utiliser une autre stratégie. Il faut entrer dans l'ovule, les ovaires, l'utérus, dans la génétique de la personne. Pour pouvoir faire naître toujours des géants. Alors là, les démons choisissent de ne plus visiter quelqu'un pour courtiser quelqu'un physiquement. Alors ils viennent dans la nuit au moment où tu dors. Tous les maris de nuit, les femmes de nuit. Et là, ils se transforment maintenant en homme la nuit pour venir coucher avec la femme. Ou bien l'homme est là comme ça. Le lendemain, tu te réveilles. Tu vois du sperme sur toi. Et tu dis que tu es sorti avec des femmes très belles dans ton sein. Mon frère, les géants t'ont visité. Ces géants, ces démons ont pris maintenant ce système pour détruire beaucoup de vies. Vous allez voir que toute fille, déjà à l'âge de puberté, subitement commence par voir un homme dans son sommeil. Ou bien tout jeune homme, quand il commence par grandir un peu, il commence par se masturber. Ou bien quand il tombe comme ça, il doit voir une femme qui doit le visiter. C'est un démon. Il veut laisser seulement sa semence. La semence est là. Tout acte sexuel, que ce soit avec homme ou démon, produit toujours son effet. Vous allez voir souvent, vous voyez la femme, on vous dit qu'il y a kiss, il y a fibrome. Le médecin opère ça. Pourquoi quand le médecin opère le kiss ou bien le fibrome, 6 mois après, 1 an après, on vous dit que cela s'est repoussé? C'est parce que ce n'est pas un être naturel, c'est un fait chromosomique. C'est parce que c'est les démons qui ont déposé la chose. Donc la main d'homme ne peut pas enlever. Et spirituellement, on peut enlever ça. C'est pour cela que quand l'homme enlève, ça repousse. On peut opérer la même femme 3-4 fois la même chose. Et tout enfant qui naît de là, c'est une femme qui a connu une fois de mari de nuit, reçoit un germe du démon. Et c'est pour ça que vous allez voir des enfants naissent à un niveau donné. L'enfant comment faire des choses que son papa n'a jamais fait d'avant. La promesse est accomplie sur David. C'était une prophétie sur Jacob. On dit, il y aura une progéniture de Jacob. Il va prendre le trône de son père. D'où David? C'est David qui était pur. On a dit qu'on a oué David tué. Et l'esprit de l'éternel est entré en lui. Donc David n'est plus un homme simple. Il est une partie homme, une partie synthèse. Alors là, David peut agir. Et c'est pour cela que David a combattu Goliath. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Goliath est tombé, il est parti faire quoi? Il a coupé la tête de Goliath. Il a pris la tête comme ça jusqu'à amener à ses mains. Ça, c'est la tête du serpent. La tête du serpent est coupée. Tout serpent qui te combat, la tête soit coupée au nom de Jésus. Pourquoi Jésus a dominé tout ce monde? Jésus voulait venir sur la terre. Dieu a choisi qui? Marie. Marie est une femme liée des hommes purs. On dit qu'aucun homme ne la touche. Et on a refusé à Joseph, son fiancé, de fiancé le toucher. Et on dit que l'esprit de l'éternel a couvert Marie. Elle est tombée enceinte. Vous savez ce que ça signifie? 23 chromosomes hommes, 23 chromosomes Saint-Esprit. Jésus est une partie homme et une partie Dieu. Pour cela, la Bible dit, fils de l'homme, fils de Dieu. Parce qu'il est sorti d'une femme homme et du Saint-Esprit Dieu. Et c'est pour cela, Jésus a été capable d'agir sur la croix de Golgotha. La Bible dit, quand il était sur la croix, Satan voulait célébrer. Et la Bible dit, la terre a tremblé. C'est Colossiens 2:14 et il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a dépouillés, il les a cloués, il les a livrés en spécifique. Les principautés. Ça veut dire que Jésus, une partie Dieu, une partie homme, est devant lui. La temps. Mort fléchit ses genoux et il a brisé la tête de la mort. Et...